Bonjour à toi, on se retrouve pour les énergies du mardi 25 octobre 2022. On va regarder avec un petit Lenormand. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une très belle journée en ce lundi. N'hésitez pas à me dire si les messages vous parlent. Si vous avez un oracle que vous préférez plutôt qu'un autre, n'hésitez pas à me le dire aussi. Je pourrais effectivement m'en servir un petit peu plus. Et je tenais à remercier par cette vidéo toutes les personnes qui ont pris rendez-vous avec moi, qui ont fait effectivement que on puisse continuer par des messages plus privés, plus personnels. Cette semaine, du coup, est pleine en termes de rendez-vous. Donc l'agenda est ouvert pour la semaine prochaine. N'hésitez pas à venir me voir par mail. Donc message de fée tout attaché @gmail.com. En tout cas, merci à ceux qui me font confiance, merci à ceux qui ont pris rendez-vous, merci à ceux qui me mettent des très beaux commentaires. Franchement, je suis très très heureuse d'être avec vous, ça me fait énormément plaisir. Donc on continue ainsi, c'est super. Allez, on va regarder donc avec Mademoiselle Lenormand, qu'est-ce qu'elle a à nous dire pour ce mardi 25 octobre 2022. Déjà, on a la carte du soleil, donc il va y avoir de très belles énergies. Il va y avoir de la positivité durant cette journée, les amis. J'espère que ça se dit. Positivité, oui, ça se dit. Ça m'est venu comme ça, donc je suppose que ça se dit. On me parle de communication, on me parle d'éclaircie. Il y a des communications ici, les amis, qui vont venir éclaircir peut-être des choix, qui vont venir éclaircir une discussion. Il y a des choses qui vont s'améliorer, les amis. Allez, on est parti. Alors, on nous parle de maison, on nous parle de serpent, d'ancrage et de jardin. Alors, au dos, qu'est-ce que nous avons? Au dos, nous avons ici les étoiles. Il y a un vœu qui va se réaliser. Il y a une bénédiction sur la situation. Ici, il y a quelque chose qui va s'éclaircir pour vous, les amis. Il y a quelque chose qui va vous faire du bien. Ici, il va y avoir quelque chose de positif. Vous allez trouver une solution à un projet, une solution à une relation, quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Ça peut être une relation sentimentale, une relation amicale ou un projet. Dans tous les cas, les amis, le dos est juste magnifique. On a les étoiles, le vœu qui se réalise, la bénédiction, la protection sur une solution, une clé qui est trouvée, quelque chose qui vous fait avancer, les amis, et sur une relation, un projet, quelque chose qui vous tient énormément à cœur. C'est superbe. Ici, avec la carte de la maison, on peut nous parler effectivement du foyer, d'un ancrage, peut-être l'achat d'un bien. Quoi qu'il en soit, c'est la construction, c'est la stabilité, les amis. C'est quelque chose qui s'ancre dans la matière, c'est quelque chose qui se positionne dans la matière. Avec la carte du serpent, on peut nous parler d'une transformation. Ici, c'est une situation qui va vous permettre de vous transformer, qui va vous permettre de vous sentir bien, qui va vous permettre ici de passer à une étape, de passer à autre chose. Ça peut nous parler pour d'autres qu'il y a peut-être quelques inquiétudes ou bien alors peut-être de faire attention aux personnes qui vous entourent, peut-être dans un cadre familial ou dans un cadre relationnel. Moi, je le ressens plutôt comme une transformation, comme quelque chose qui mute. Vous voyez, quelque chose vraiment qui va de l'avant, quelque chose qui s'ancre, quelque chose qui se positionne dans la matière. Et pour preuve, nous avons la carte de l'encre, les amis. Donc ici, la carte de l'encre va bien nous indiquer quelque chose de stable. Il y a vraiment ici un projet qui se met dans la matière, un projet, une relation. Il y a peut-être un emménagement avec une personne, effectivement, un déménagement. Ici, vous choisissez un lieu commun pour être ensemble, pour évoluer ensemble, ce qui vous fait vous transformer, les amis. Avec la carte du jardin, on peut nous parler de l'extérieur. Ici, peut-être que cette aide, peut-être que cette solution ici au dos qui va vous être apportée par quelqu'un de l'extérieur.
J'ai l'impression que c'est une solution qui va venir, mais d'un entourage que vous ne fréquentez pas forcément. Peut-être sortir de votre zone de confort. Ici, le fait de se transformer, le fait de poser dans la matière certains éléments va vous permettre aussi peut-être de vous ouvrir vers l'extérieur, d'aller chercher à l'extérieur peut-être des solutions, des choses que vous envisagiez pas forcément dans le cercle dans lequel vous étiez. D'accord les amis? Quoi qu'il en soit, pour cette journée, il y a de la réussite, il y a de l'ancrage, il y a une transformation, peut-être un emménagement. Ici, avec le dos, une solution qui est trouvée par rapport à une relation. Ça peut nous parler d'un projet de cœur, d'un projet qui vous tient à cœur, donc d'une très très belle réussite, les amis. Je vous souhaite un très bon mardi. À bientôt!